après un temps difficile avec l'OFH, bah, hier on gagne, aujourd'hui on gagne, ça fait vraiment ça donne de la confiance. C'est encore, vous savez, c'est encore beaucoup plus facile de préparer le match en les gagnant, ça, ça fait plaisir pour moi, pour mon staff, pour tout le monde, pour tous les clubs. Alors, quelle est l'analyse que vous faites de ce match-là déjà? Ouais, c'est un match très riche en enseignement de l'un côté du terrain, avec le premier quart assez difficile, très compliqué, avec des joueurs qui drivent à outrance, qui shootent à outrance, qui vont au rebond offensif. Ça a été très très bien, mais avec la patience, avec la circulation de la balle, le fait qu'on puisse jouer en équipe, nous a pris un peu de riche en fin de temps. Alors, en termes de scoring, est-ce que ça vous valait le niveau de points que vous avez eu à marquer aujourd'hui? Je me rappelle même plus des nombres de points. 75, c'est bien, c'est pas mal. Mais on espère avoir encore 80 points. Avec 80 points, ça va être difficile à battre. Alors, coach, par rapport à l'utilisation de Chris Crawford, pratiquement il a joué toute la partie, de la première mi-temps à la seconde, et vous acheminez vers une match qui est très importante, voire décisive. Est-ce qu'il pourra récupérer d'ici mardi? Et tous les matchs sont importants. On était deux au mur. Et quand il est recruté, c'est pour qu'il porte offensivement, qu'on soit stable sur le plan offensif. Donc quand il ne supporte pas, il crée le danger. C'est la raison pour laquelle je les ai fait utiliser 40 minutes. Il est là pour ça. S'il peut jouer 45 minutes avec la déclaration, je le ferai. Contre rien n'est impossible. Rien n'est impossible. On va jouer nos chances à fond, se décomplexer un peu, sachant qu'on est à domicile, notre public va vraiment nous soutenir avec la confiance des deux derniers matchs. Je pense qu'il y a une place. Tu vois la coach?